Bon. OK. Donc, aujourd'hui, on va changer les pneus. Comme je disais, il reste encore du temps avant la neige. Puis, je vais rouler avec mon fat bike. J'adore rouler avec mon fat bike. Donc, je veux pas maganer ceux-là, là. Fait que, on va tout de suite mettre ceux-là. C'est du Maxxis que j'ai choisi. Maxxis Minion Fat Bike 27.5 par 3 par 8. Donc, un bon petit pneu là, qui va être super bon avec un bon grip. Il serait bon aussi pour la neige là, mais ça va être ceux-là qui sont déjà faits pour piner avec tous les trous dedans déjà. On se casse pas la tête, c'est numéro 1. C'est sûr que ça va être une bonne job là, à poser, là, mais on va faire ça ensemble, on va avoir bien du fun à faire ça. Donc, gros petit pneu Maxxis, je suis pas mal vendu au Maxxis, là, pas mal toutes mes bicycles dans le temps aussi, les motocross. J'ai toujours opté pas mal pour le Maxxis, mais malgré que les terrains sont excellents, là, mais je ne le répéterai pas, là, vous savez pourquoi. Là. Ça en prend pour l'été, ça en prend pour l'hiver, printemps et automne. Ça en faut être chaussé pour toutes les saisons, hein, comme les pieds. Donc, déjà, je l'ai roulé quelques fois avec, là. Je ne l'ai pas trop magané, là, c'est pas pire. J'ai roulé plus dans le mou, là, les feuilles, la terre, là. Pas trop d'asphalte. Donc, c'est parfait, c'est le temps de les enlever. Donc, on va revirer le bicycle à l'envers. Bon, on va se mettre un petit paire de gants, pas salir, hein, les pneus. Ça peut être salissant un petit peu. On va se prendre une petite gourou, donner une petite dose d'énergie. J'arrive de Bromont. J'avais dans la tête que le chairlift était encore ouvert. Puis finalement, ben, j'ai été pogné pour monter la montagne jusqu'au sommet avec mon bike. À pied, ben oui, j'ai fait une descente. Je ne sais pas si vous allez avoir cette vidéo-là avant ou l'autre. En tout cas, je veux pas que vous allez avoir. Toute une histoire monter ça. Quand tu fais de la marche, pas pire, mais avec un bicycle de downhill, c'est pesant à faire barouette à monter. Aucun plaisir, là. Santé, bonheur. Bon, OK, on va enlever le pneu, hein. On va enlever la roue, je veux dire. Mon petit outil. Petit outil indispensable. Pas besoin de ça. La première fois de la démarche. On a juste à dévisser ça. Ça va nous permettre aussi de le graisser après. C'est bien important de graisser toutes nos affaires. OK. La petite barre. On peut enlever notre roue. Comme ça. Ben ça. Oh. C'est pas tant pesant. Un vrai ballon. Un vrai ballon de basket. On va se faire un petit peu de place. Très grand ici, hein?
OK. C'est super léger. Je pensais que c'était plus pesant que ça. C'est quand même très léger. On va dégonfler ça. Ici, j'avais un petit kit là, pour pouvoir gonfler notre pneu. Un adapteur, c'est le nom que je cherchais. Un adapteur. Et du gros pneu, hein? Il y a de l'air là-dedans. Aujourd'hui, j'aurais aimé ça, avoir mon fat bike à Bromont. Avoir su là, qu'il n'y avait pas de remontante de même, là, j'ai arrêté avec. Et super facile à monter d'un côte, tout. Même plus facile que mon enduro. Mais pour l'été, là, les 3.8, ça va être parfait. Hein? 4.5 pour l'hiver, ça va être parfait, donc je pense que je vais être vraiment bien chaussé. C'est plus grand air là-dedans. On va défaire ça. On se sert de nos petites clés. J'en ai trois. Je trouve que c'est l'idéal, trois. Même qu'un fat bike, pas besoin de clés. Tabarouette. Pas 3 heures. Comme je vous dis, c'est la première fois que je le fais, là. De côté, donc ça va être comme ça. Peut-être être un petit peu plus facile de le rentrer, un petit peu plus dur, je veux dire.
très bien. Ça change mieux là-dessus que c'est les autres. La tripe comme il faut. On fait le tour. On essaie de bien placer. Ça va être parfait, ça. On va pouvoir le changer de nouer bientôt. Mais on va pouvoir rider en attendant que je pine sur là. Donc, on va mettre un peu d'air là-dedans. On met notre petit adapteur. Rendu presque à 10 livres. On va laisser comme ça pour tout de suite à 10 livres. Comme ça, on visse ça, je veux dire. Puis je vais laisser quand même mon petit adapteur au cas où qu'il y ait quelque chose. La meilleure place pour le serrer, pas le perdre. Yeah! Ça a très bien été. Mon pneu en avant est fait. Un beau Maxxis. Dans le 3.8. Bien content. À cette heure, ben, on fait celui d'en arrière. Avant de faire ça d'en arrière, on va tout de suite la poser. Nettoyer notre bord comme il faut.
enlever les poussières, puis quand on les lave aussi, hein, tout ça c'est important de les graisser, là. On veut pas que ça rouille, rien, on veut qu'on avoir un bon roulement, donc super important de faire ça, sinon ben, ça roule sec, c'est comme la voile à poêle. Bonne petite graisse pour roulement à moyeu. On graisse ça. Pour tout l'hiver, hein, tout le temps la neige, c'est continuellement de l'eau. OK. Ça, on rentre ça là. On va visser. Et le tour est joué. Le petit surplus en serrant quand ça accote, ça fait. On y suit comme il faut. C'est fait, les amis. À cette heure, ben là, on peut passer à celui d'en arrière. Ça a super bien été. Bien content. Bon, ben, on va pouvoir passer à celui d'en arrière. Quand même, toute une différence. 4.5, 3.8. Les mis à côté, en avant, là. Puis, ouais. Ben, pour l'été, printemps, automne, ça va être parfait. Là, je vais avoir besoin de mon petit outil. Attirez. Obligé de vous tourner le dos. On va se mettre des petits gants.
surtout pour en arrière. Ça c'est fait. À cette heure, ben, on va se dessouffler. Tubeless Ready Ultralight Casing. Ça là, avec des pics là-dessus cet hiver là. Ça va être ça que ça fait. Ouais, pas pire. Ça s'enlève tout seul. Encore pas mal d'air dans la tête. Toi, tu vas te faire épiner. Thank you.
faut surtout pas se tromper de bord. Ça va bien. On place notre trip comme il faut. On va tout de suite le gonfler un petit peu. On va avoir besoin de notre petit adapteur. J'en ai tout ça un autre ici. Prendre celui là-dessus. J'en ai un autre, je pense qu'il est dans mon sac à dos. En avant, j'ai mis 20 livres de pression. On va mettre 20 livres de pression aussi en arrière. On y va avec les conditions de route. J'ai hâte d'aller rider, aller essayer ça. OK, on a notre 20 livres de pression. Je pense que pour l'instant, avec les surfaces qu'on a, ça va être parfait. Comme ça. On n'oublie pas le petit bouchon.
vos deux pneus sont changés. On va lubrifier notre petite barre bien importante, n'oubliez pas ça. Tout est en place. C'est fait. Mes deux pneus sont changés pour du Maxxis 2.8. Donc, on peut aller rider sans souci de maganer les autres pour l'hiver. Donc, un gros merci d'avoir regardé ma petite vidéo. Puis, si vous avez aimé ça, ben, mettez-moi un beau petit pouce. Là. Je vais être bien content, c'est encourageant. Puis, ma petite chatte ici, je vais peut-être dire un petit bonjour. Un petit bonjour. On dit bye bye. On se dit à la prochaine. On pense positif tout le monde. Salut.